suis souvenu que quand j'étais jeune, je disais, pour créer une entreprise, il faut avoir des idées. Donc j'étais ce qu'on appelle, je faisais partie des entrepreneurs créatifs. Ah, j'ai une super idée. Et puis alors là, la super idée, elle m'obsédait. J'en dormais pas. Je bassinais tout le monde avec pendant des jours et des jours. C'était un enfer pour les autres. Sauf que j'ai mis un peu de temps à m'apercevoir que oui, il faut deux choses pour créer une entreprise. Il faut une idée, un marché. Sauf qu'il y a un des deux qui est franchement pas indispensable. C'est justement l'idée. L'idée, elle est même parfois dangereuse. Parce que justement, emportée par la bonne idée, votre enthousiasme, bah parfois elle vous aveugle. Hein. Et vous voyez même plus, c'est un peu comme quand vous êtes amoureux en fait. Vous voyez plus les défauts. En tout cas, effectivement, il vaut mieux avoir un marché qu'une idée en fait. C'est un peu ça que je me suis rendu compte avec le fil du temps. Et je ne sais pas si c'est là, oui, c'est là où je disais, on peut effectivement entreprendre en créant et on peut aussi, bien entendu, entreprendre en copiant. J'ai plein d'exemples, hein, si vous voulez, de grandes réussites où des gens ont juste copié. Et ils ont juste copié avec talent. Alors, il y en a une pour l'anecdote qui me fait toujours rigoler, c'est ce que j'appelle moi la World Pizzeria Company. On ne vous demande surtout pas d'avoir des idées, on vous demande surtout de faire la Napolitaine, la Margarita, la 4 fromages, et puis tout va bien. Et ça marche, il suffit juste d'avoir un marché. Hein. Et vous copiez bien, copiez une pizzeria, c'est formidable. Si vous avez le marché, la zone des chalandises, ça marchera. Donc il n'y a pas forcément besoin d'idées, hein, à marcher et puis d'être peut-être un petit peu meilleur. Le créatif, l'entrepreneur créatif, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable. Parce que l'entrepreneur créatif, eh ben, c'est un pionnier. Donc il doit y aller avec la machette, puis il doit aller défricher, il doit aller évangéliser. Et c'est fatigant. Et quand vous avez évangélisé, ben, vous avez les autres qui arrivent, tranquilles, qui dépassent. Pas mal, on va y aller, et vous avez fait le boulot pour eux, et vous êtes épuisés, vous n'en pouvez plus. Donc, attention aux bonnes idées. C'est compliqué, mais évidemment, c'est de réussir qui est un petit peu plus compliqué.